c'est une plateforme de communication, aussi une plateforme d'échange et de partage du monde sédentaire. On a lancé ce salon justement pour faire comprendre au monde entier que le sédentariat est un métier noble et ce métier noble a besoin d'être connu. Donc il fallait ce salon pour savoir tous ceux qui vont faire. On a choisi ce thème pour être au niveau de l'opération et d'avancement sur la nation. Je pense que c'est maintenant que le moment est décidé chez nous. Ce que je pourrais vous dire, c'est que lancer ce premier salon, il fallait que l'idée nous parvienne, nous vienne. Et l'idée est arrivée, on l'a lancé. Il y a eu d'autres activités, mais il fallait quand même penser à ce salon. Aujourd'hui, on parle d'assistants et d'attachés de direction. Mais pour arriver à ce point, il y a des défis à réaliser qui passent nécessairement par la formation, rien que la formation. Donc ces défis, c'est de pouvoir accompagner ces patrons. Nous sommes ces collaborateurs. Nous sommes les collaborateurs des patrons et pour les accompagner, il faut que nous ayons un niveau de très élevé. Donc ça passe nécessairement par la formation et ces défis, il faut pouvoir les réaliser. Vous avez les tics aujourd'hui pour pouvoir aussi être assez. Ça se passe à plusieurs niveaux. Vous, l'EDS, d'abord le BEP, vous savez que vous êtes rien, vous étiez formé d'abord par un BEP avant d'arriver à un BEP. Et ça, BPDT, ça vous donne droit à être secrétaire. Le BTS, c'est le secrétaire, la secrétaire du secrétaire, parce qu'il y a des hommes, secrétaire du direction. Mais quand vous arrivez au stade assistant, c'est que c'est un niveau très élevé, mais tout cela passe par un master. Et si je suis la boulette, c'est l'assistant. Et après, attaché du direction, c'est toujours la continuité en France. Ce que je voudrais dire à tous ces jeunes gens et jeunes filles qui viennent au secrétariat, il faut d'abord avoir l'amour de ce métier. C'est un métier noble qui fait de vous une personne incontournable parce que vous devenez la victime de l'entreprise. Vous voyez tous ces visiteurs qui passent et vous êtes censé les recevoir. Il vous faut beaucoup d'amour. S'il n'y a pas d'amour, vous ne pouvez pas réussir cette mission parce que nous avons beaucoup de jeunes qui viennent là. Parce qu'ils ont échoué ailleurs, ils préfèrent venir au secrétariat parce que c'est plus facile. Mais non, le secrétariat, il faut avoir beaucoup de loyers, beaucoup d'initiatives. Il faut être vraiment un homme, un chef d'orchestre, je dirais, pour pouvoir assurer ce poste. Pour ce salon, il y a des voyages d'études. Des voyages d'études pour pouvoir échanger avec les partenaires d'ailleurs.